maintenant. On est en sécurité. Qu'est-ce que c'était, Misty? Du parachutisme? Oh, ça... Tu ne m'écoutes jamais. Tout ce que je t'ai demandé de faire, c'est... Obtenir plus d'informations sur les cristaux magiques et leur fonctionnement. C'est la seule chose que vous voulez. N'est-ce pas, Opaline? Oui. Eh bien, dépêche-toi. Oh, passons à l'action. Oh, bonjour les lapicornes. Ne faites pas attention et bon appétit. Regardez, quelqu'un a essayé de s'introduire ici. Mais qui a pu faire ça? Et pour quelle raison? Peut-être que le morceau de verre s'est décroché tout seul. Quoi? Ce sont des choses qui arrivent. Je trouve ça vraiment exaltant. C'est comme une enquête policière dans la vraie vie. Exaltant? Ruby, quelqu'un a essayé de nous voler les cristaux qui nous ont rendu notre magie. Ce n'est pas exaltant, c'est dangereux. Zip a raison. En tant que la licorne, c'est mon rôle de protéger les cristaux et de garder tout le monde en sécurité, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Désolé d'être en retard. Sparky a transformé mes clés en essaim d'abeilles, alors j'ai dû leur acheter du miel et bref, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, tu arrives juste à temps, Itch. C'est le moment pour moi de devenir la licorne dont Equestria a besoin. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un entraînement intensif. Bien, Sunny, répète après moi. Je suis forte. Je suis forte. J'ai confiance en moi. Et je suis là. Quelque chose à propos de ces cristaux, Misty. Qu'est-ce qui peut bien te prendre aussi longtemps? Eh bien, c'est amusant. C'était quoi, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On devrait partir d'ici. Je vous expliquerai plus tard, Opaline. Comment ça, tu me raconteras plus tard, Misty? J'ai entendu quelque chose qui venait de... D'ici? Ce buisson vient justement de bouger. Mon cher Itch, je t'assure que tu as des visions. Les buissons ne bougent. Oh, wow, regardez, il a filé. Wow. Oh, tiens, bonjour Sunny. Misty? Oh, heureusement, c'est toi. Je croyais que c'était quelqu'un de dangereux. Hé, les amis, c'est juste Misty. Bonjour, Misty. Oui, votre chère copine Misty. Très joli vol, Sunny, c'était incroyable. Bon, désolé, mais je dois y aller. Au revoir, Misty. Copine, hein? Je n'en suis pas si sûre. Non, tu vas
va finir par rater le vrai feu d'artifice. Hé, celui-là est très vrai pour moi. Tous ces tours sur moi-même ont donné le tournis à Izzy. Prochain arrêt, Brie de Bois, pour le grand feu d'artifice annuel de l'unité. Je suis heureuse qu'on aille le voir tous ensemble. J'adore les feux d'artifice. Et ce feu d'artifice n'est pas ordinaire. Les feux d'artifice des licornes sont absolument magiques. Alors, il faut monter pour avoir la meilleure vue. Suivez-moi, je connais cette forêt comme le dessous de mes sabots. Et le devant aussi. Aouh ! Hé, attention ! Il y a des racines partout. Il faudrait vraiment les ranger un peu avant qu'un poney... Ça fait mal ! Ça va, Sparky ? Oh non, je suis coincée. Waouh, où est-ce qu'on est? Youhou, Fizz, tu es là? Y a quelqu'un? Oh non, je crois bien qu'on s'est perdu. Comment est ma crinière? Soyez honnête, est-ce qu'on voit que je viens de traverser des buissons? Tu as juste un petit truc là, attends... Ici. Regardez, toutes les espèces de poneys sont réunies. En réalité, j'ai compté rapidement et quelques poneys manquent à l'appel. Glory et Seychelles. Oh non, les petits rubis! Elles ont disparu. Disparu? Oh non, les pauvres petits rubis! Ces bois vont les dévorer toutes crues. Bon, écoutez tout le monde, gardons notre calme. Izzy connaît Brie de Bois comme le dessous de son sabot. Pas vrai, Izzy? Ah oui, carrément, pas de problème. Enfin, s'il y a peut-être un problème, Brie de Bois est gigantesque. Je ne sais pas par où commencer. Non, elles sont fichues. On les retrouvera jamais. Elles sont fichues. On ne pourra jamais les retrouver. Allons, concentrez-vous. Il nous faut un plan si on veut retrouver ces pouliches rapidement. En utilisant notre magie de poney terrestre, on peut séparer les arbres de la forêt. N'importe quoi. Nous devons voler au-dessus de la forêt. On les trouvera plus vite si on les cherche depuis les airs. Quoi? Vous, les Pégases, vous pensez que tout peut être résolu en flottant dans le ciel? N'importe quoi. Ça ne marchera pas. Mais les branches sont contre moi, ma parole. Ce n'est pas tout à fait la démonstration d'unité à laquelle on s'attendait, hein? Je crois que j'ai une idée. Tous les poneys, écoutez-moi. En ce moment, deux petites pouliches sont perdues. Tout ce qui compte, c'est de les retrouver. Sunny a raison, nous devons travailler à l'unisson. Sunny, par ici! Aide-nous! Trouvez! Elles vont bien! Les poneys, créez un chemin entre moi et la clairière! Suivez la piste des marques de beauté! Ensemble. Oh, regardez! Il commence! Ah, oui.
explosé dans un nuage de... Paillettes ! Paillettes ! Paillettes ! Paillettes ! Oh, est-ce que vous savez quelle heure il est ? Quoi ? Toutes ces paillettes ont séché sur ma crinière ! Désolée tout le monde, ma magie d'alicorne n'en fait qu'à sa tête, vous voyez ? Je ne peux plus la contrôler. Peut-être qu'il te faut un mot magique, quelque chose qui t'aide à faire sortir ton alicorne intérieur. Oh, pourquoi pas une phrase comme « Envole-toi » ou « Vol, vol, oh, 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 je sais, alicorne, vas-y !» Alicorne, vas-y. Il faudrait encore l'améliorer. J'ai bien peur que tu n'ailles pas très loin avec ce genre d'aile. Oh, Izzy a raison, je ne pourrais être d'aucun secours comme ça. Ne t'en fais pas, Sunny. Tout ce qu'il te faut, c'est un nouveau look. Un relooking digne d'une alicorne. On va avoir besoin de dégradés, de reflets, de paillettes, de vernis pour sabots, d'un masque de boucle. Alors, tu veux dire ? C'est exact. La totale. Oh ! Tralalali, c'est qui ? Voici Ruby, son nouveau stylet sorti. Venez entrer et puis admirer ses couleurs stylées et ce look rêvé. Cahier, les sabots limés, le poil brossé, la crinière soyeuse et démêlée. C'est bien rythmé, c'est bien rythmé. Qui peut rester assis quand c'est si cadencé ? Et voilà ! Je suis pas sûre que c'est ce qu'on voulait. Waouh, Ruby, tu es douée. Je suis la suivante. Et regarde le bon côté des choses. Au moins maintenant, ta crinière cache tes petites ailes. Non, non, non. Ce n'est pas une question de crinière. Ça concerne l'inspiration. Et je ne connais rien qui puisse inspirer autant qu'un petit peu de... danger. Un peu de danger va totalement déclencher tes capacités d'alicorne. Zip, je suis pas convaincue. Qu'est-ce qu'on regarde, là? Tu es sûre? Ça a l'air... chouette! Impossible! Tu t'en sortiras très bien. Attends, il faut dégager cette crinière de ton visage. Voilà, c'est beaucoup... Ça ira. À vos marques! Prêt? Partez! Ça va? Ta pauvre crinière! Zip, tu es irresponsable! Regarde, c'est une meilleure alicorne maintenant! Non, je suis sûre qu'il faut d'autres mots de transformation. Pourquoi pas... sabot crantastique super canter logique extra! Une nouvelle tenue d'alicorne ferait l'affaire! Peut-être quelques accessoires supplémentaires... Peut-être que je devrais ajouter du feu sur le parcours! Sunny, qu'est-ce que tu en penses? C'était vraiment un désastre complet. Je pensais bien te trouver ici. Ruby m'a raconté tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Tous les autres poneys semblent grandir tellement vite. C'est comme si j'étais bloquée. Tu as aidé tous les autres à croire en la magie. Maintenant, c'est à toi de croire en ta propre magie, Sunny. Ici. Merci, Itch. Si seulement c'était aussi simple que ça. Oh. Oh non, les poulains! Allez, Sunny, tu peux le faire! Les poulains ont besoin de toi! Maintenant, j'aimerais juste trouver comment éviter les paillettes. Je savais que tu réussirais, Sunny! Prête pour l'atterrissage, l'équipe des Pégases! C'est juste une petite journée de sport, les poneys. Pas besoin d'exagérer. Tu es qu'estriette, une scène, Sunny! Itch, allume les lanternes! Les lanternes? Non, Itch! Bien compris, j'allume! Attends, Itch!
Non. Tu viens de dire c'est bon? Izzy, non. C'est bon. Non. Vous l'avez entendu, l'équipe de licorne. C'est à nous alors, c'est parti. Ennemi à 3 heures. Tous les poneys aux abris. Est-ce que tout est prêt? Attention. Je suis vraiment désolée. Il était prévu que ce soit la plus belle journée jamais organisée. Ce n'est pas grave, Sunny. Il n'y a pas de mal. Peut-être un peu de mal pour lui. Cette première compétition où tout Equestria doit se retrouver est une très lourde tâche. Comment ça va? Je vais bien. Pas toi, Thunder. Tu sais, Sunny, même pour une reine, ce serait beaucoup de choses à gérer toute seule. Je suis une alicorne. Tout est sous contrôle. Que les jeux d'Equestria commencent. Mais ça me cure. Stop. Tu voles. Comprenez. Aide. N'ont jamais dit que le bateau devait se trouver dans l'eau. Je le saurais, je les ai lus 17 fois. Peut-être que si les licornes contrôlaient mieux leur rame. On les a très bien contrôlés. J'espère qu'on ne les contrôle plus. J'ai besoin d'une coiffure d'urgence. Oh oh, notre magie. Cette journée était censée nous rassembler. Les petits rubis ne peuvent pas me voir comme ça. Ne vous en faites pas, les amis. Sunny a toujours un plan. Pas vrai, Sunny? Hein? C'est difficile d'être une meneuse, n'est-ce pas? Tous les poneys pensent qu'on a toutes les réponses. Tous ces différents poneys réunis, c'est logique de se marcher un peu sur les sabots. Toi et tes amis, vous devez bien connaître ça. Quelquefois, je crois. On est tous si différents, c'est parfois difficile. Mais quand on travaille ensemble et qu'on s'écoute les uns les autres, toutes nos différences deviennent des forces. Alors, un peu comme dans une équipe? Les poneys! Les poneys! Ces jeux ne sont pas faits pour gagner. Ils sont faits pour célébrer nos différences et travailler tous ensemble. À partir de maintenant, il y aura des membres de chaque espèce de poney dans chaque équipe. Une représentation de l'unité qui rend Equestria si grande. Que les jeux recommencent. De ces premiers jeux d'Equestria sont... personne! Chaque équipe a remporté une épreuve, alors... égalité! Et bien voilà une fin heureuse pour les premiers jeux d'Equestria. Tous les poneys d'Equestria ont gagné. Tous ensemble. Bien joué, Sunny. Est-ce qu'on peut encore jouer? J'adore le nettoyage de printemps. Oh, mes premiers patins à roulettes. Je garde.
Au recyclage, peut-être. Je donne. Izzy, qu'est-ce que tu veux faire de toutes ces pierres brillantes et bruyantes? Izzy! Et pour mon prochain tour de magie, recommençons depuis le début. Wow. Surprise, Sonny chérie. Papa. Je crois que tu as trouvé la vieille couverture de la famille. C'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est en fait un ancien artefact de poney qu'on se transmet depuis 10 générations. D'autres morceaux ont été cachés à prix de bois et dans les hauts de Zéphyr il y a des années. Un jour, la magie reviendra. Et Sonny, je sais que tu seras celle qui fera ce miracle. Même avec elle, il faudra toute la famille pour trouver les autres morceaux. Toute la famille? Mais il ne reste plus que moi. Je sens une odeur de mystère. Elle a plutôt une odeur d'aventure pour moi. Allez, venez les amis. Mais quelle magnifique surprise! Reine Colombe, on doit vous demander... Waouh! Cette couverture, celle de ma salle du trône, n'a plus cet éclat depuis des siècles. Où l'avez-vous trouvée? La salle du trône! Je savais que je l'avais déjà vue! Mais il n'y a pas de quoi, ma chérie. Je t'en prie. Ah, alors c'est là que se trouve l'autre morceau? Comment va-t-on? Je vais m'en occuper, les amis. César Poney, ouvre-toi. Maman ne va pas aimer ça du tout. Itch, il faut aussi de la magie de poney terrestre. N'en dis pas plus, Sonny. Créature, foncez. Maintenant, levez. Itch, je... voulais dire l'autre magie de poney terrestre. Oui, c'est plus logique, c'est vrai. Bien joué, les petits. Je connais cet endroit. On devrait peut-être... Oui, filez. Mon trône, garde! Je vous l'avais dit, c'est comme la photo. Voyons si je me rappelle comment ça marche. L'Ico-Cadabra! Wow. C'est magnifique! Prêt, les amis? Quand je touche cette grosse pierre, vous devez toucher les autres dans l'ordre, d'accord? Ah, comme à la parade! En plus grand et plus dur. Et plus boueux! On va réussir! Bon, alors c'est parti! L'Ico-Cadabra! Sonny, tu as réussi. Ça y est, tu as fini. Fais-moi voir. Et c'est prêt. Elle est incroyable. C'est Poney Tag Vintage. C'est nous. Alors tu vas sûrement penser que notre famille est un peu trop réduite pour réussir ça. Et tu auras raison. Mais la famille, c'est aussi un mot plus général pour tous les poneys qui restent ensemble et se soutiennent. Tes amis peuvent être la famille que tu choisis, Sonny. Poney juré, je sais que tu la rencontreras un jour ou l'autre. Je l'ai déjà trouvé, papa.
Sunny, arrête immédiatement. Tu n'as aucune issue. Tu ne peux plus t'échapper maintenant. Pas sans nous avoir mis dans l'un de tes nouveaux smoothies. Je suis désolée, mais ma toute nouvelle gamme de smoothies contient exclusivement des nouveaux fruits qui ont poussé dans le jardin partagé, comme des kiwis papayes, des poires ananas ou bien encore des raisins boises. Essayez-les tous aujourd'hui. Vous seriez une banane de ne pas le faire. Et coupez. Parfait. Cette fois, c'est dans la boîte. Et les fruits géants? Tout est ajouté avec la magie des filtres. Ah, c'est génial, merci Ruby. Parce que j'ai hâte que les poneys goûtent mes nouvelles saveurs. Ils vont les adorer. Des nouvelles saveurs? Hors de question. Pour moi, ce sera fraise comme je prends d'habitude. Tu es sûre de ne pas vouloir goûter aux nouvelles? Je veux de la fraise, s'il te plaît, Sunny. Et un smoothie à la banane pour moi, s'il te plaît. Vos smoothies aux bonnes vieilles saveurs habituelles arrivent. T'en fais pas, ils finiront par les essayer. Un jour, peut-être. Tu sais, c'est un peu difficile d'essayer quelque chose de nouveau. Tu as raison, Ruby. Donc, nous devons rendre plus facile l'essai de nouvelles saveurs. On va organiser un test de saveurs. Écoutez, on va goûter quelque chose de nouveau. Il y a plus de 3 millions de nouveaux mélanges de saveurs. Waouh, 3 millions? Comment on va se rappeler des 2 999 999 essais? C'est facile, avec l'aide de... Waouh, notre méga robot Tarto! J'adore son nez papillon, c'est un robot très chic. Je suis Bibabop, programmé pour servir des smoothies. Allez-y, choisissez votre smoothie et trouvons le mélange parfait. Voyons un peu ça. Alors, je prends toujours un thé vert menthe et kiwi papaye, mais aujourd'hui je crois que je vais prendre... Ah oui, un thé vert menthe et kiwi papaye. Mais Izzy, pourquoi ne pas essayer... Super citron pour moi. Itch. Et moi, comme d'habitude, beurre de cacahuète banane. Et moi, une baie joyeuse, s'il te plaît. Mais il y a plein d'autres saveurs. Et pour moi, ce sera sans hésiter. Laisse-moi deviner. Un smoothie marbré à la fraise. Sunny, tu me connais dans le bout des sabots. Excuse-nous, Sunny, mais on sait ce qu'on aime. C'est risqué d'essayer autre chose, tu sais. Beurre de cacahuète banane. Marbré. Beurre de cacahuète banane. Tout le monde, calmez-vous. Il ne peut pas prendre autant de commandes en même temps. Erreur de saveur. Wow, attention. Attaque de smoothie. Anomalie smoothie. Il est chargé de 3 millions de combinaisons de fruits. Oh non, la ville entière va être totalement couverte de smoothies. Votre coiffure est un chef-d'œuvre, Majesté. Pas un seul de vos crânes dépasse. Et après avoir passé 5 heures au salon Mélodia, j'aimerais que cette coiffure dure longtemps. Maman. Non! Ta crinière va être fichue! Hé, fraise banane! C'est pas mal! Vite, empêchons la ville d'être inondée sous les smoothies. Anomalie smoothie. Mon devoir de shérif. Tiens, Sparky aime cette saveur. Tous les smoothies sont combinés en un seul. C'est sûrement le plus délicieux smoothie de tous. C'est un smoothie fait de tous les smoothies. Mais ça, c'est le mélange parfait. Alors, comment peut-on l'appeler? Je crois que, vu qu'il est composé du meilleur de tous les autres, pourquoi ne pas l'appeler le spécial à licorne? Waouh,
Sunny, le spécial Alicorne rencontre un véritable succès. Exact. Le seul problème, c'est que maintenant, plus personne ne veut goûter autre chose.